Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dejanya, c'est parti. Inspiration 10 modèles d'escarpins à plumes pour briller en mai. Il est évident que le mot d'ordre des tendances mode 2021-2022 est de se démarquer. On le ressent dans chaque nouvelle création. Le vintage est certes revenu au goût du jour, mais il y a de la réinvention dans l'air. Exemple factuel, les plumes aux pieds. Les chaussures à talons sont officiellement parées de plumes duveteuses, élégantes et totalement stylées pour vous conférer un look très recherché et accentuer la beauté de vos jambes. Toutes les marques s'emparent de cette touche de glamour, ce qui nous fait dire bonjour à des modèles colorés aussi renversants les uns que les autres. Associés à une robe classique en satin noir ou un jean flare à fente avec une blouse oversize, ces chaussures ajouteront un grand intérêt à votre tenue. Vous ne les avez toujours pas sur votre étagère à chaussures? Cette galerie inspirante vous donnera l'envie de vous en procurer. Dont on ne se lasse pas. Il n'y a pas de plus grande scène en Afrique que l'Afrique Magique View World Choice Awards Night. Informé par des années de glamour, l'événement et l'association pour les célébrités de se présenter dans des looks décadents et affirmés qui mettent en valeur leurs meilleurs atouts. Arrivant dans des couleurs vives et audacieuses, des silhouettes créatives, des décolletés à couper le souffle et des robes avec des ourlets longs, tous les nominés et les participants MVCA de cette année se sont présentés habillés pour impressionner. En parcourant les tenues les plus audacieuses de la soirée, on a un aperçu conçu de l'importance pour chaque célébrité de se démarquer dans la catégorie la mieux habillée de cette année. Élégante mais individualiste, voici les 12 stars les mieux habillées des prix AMVCE 2022. Pour une semaine super stylée, merci Saad Akinocho. Encore une fois, nous avons d'excellents conseils pour vous aider à mettre votre meilleur pied en avant, surtout cette nouvelle année. Cette semaine, nous nous inspirons de l'influenceuse mode et entrepreneur basée à Londres, Saad Akinocho, pour son sens authentique du style. Pour vous donner un avant-goût de son esthétique, nous avons rassemblé certains des meilleurs looks sur sa page Instagram. Continuez à faire défiler pour une nouvelle dose de la semaine avec style. Lundi, qui a dit que vous ne pouviez pas basculer le denim ou lundi avec un manteau à mouche? Bien sûr, optez pour une veste plus légère dans les régions plus chaudes. Mardi, faites-nous confiance, vous ne pouvez pas tromper ce super pantalon à cuir moutarde dans n'importe quel combo. Mercredi, ce look cuir et tout et plus encore. Jeudi, un magnifique moment épaules dénudées et denim pour la veille du week-end.
Vendredi, honnêtement, les looks polyvalents comme celui-ci sont les meilleurs pour naviguer sans effort pendant vos vendredis. Samedi, vous avez une date de pique-nique ou un centre commercial à venir, vous ne pouvez pas manquer ce look. Dimanche, ce look à un thème ne pourrait peut-être pas plus être parfait par un brunch ou un goûter écrit partout. De la laine du matin. Comment se débarrasser de la laine du matin est quelque chose que beaucoup de gens doivent savoir et pratiquer, car avoir la laine du matin affecte la confiance et la capacité à établir des relations avec les gens. La laine du matin est une odeur persistante et désagréable de la laine expirée, généralement sans gravité, communément appelée mauvaise haleine. Parfois, cela peut être causé par beaucoup de choses, mais quand cela devient trop, comme terrible, il vaut la peine de consulter un dentiste. Voici donc comment se débarrasser de la laine du matin. Nettoyez votre langue. Oui, assurez-vous de vous brosser les dents 2 fois par jour, matin et soir, car cela aide à garder votre bouche fraîche et à sentir tout ce que vous avez mangé au cours de la journée. Même rester silencieux pendant longtemps peut causer une mauvaise haleine, alors assurez-vous de nettoyer votre langue et vous brosser 2 fois par jour. Changez régulièrement de brosse à dents. Changer de brosse à dents aussi souvent que possible rapporte beaucoup d'argent. La soie dentaire au moins 1 fois par jour. La soie dentaire fait le travail que votre brosse à dents ne pourrait pas faire. La soie dentaire va à la racine et parfois le brossage ne le fait pas. Ainsi, ces particules de nourriture qui restent sont éliminées. Évitez les aliments qui agressent votre haleine. Bien manger est une affaire saine, non seulement pour votre estomac, mais aussi pour votre bouche et votre haleine. Vaporisateur buccal. Obtenir un vaporisateur buccal et l'utiliser régulièrement est l'un des moyens pour se débarrasser de l'haleine du matin. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dejanya. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye.